Le gratin des skippers français, les plus grands noms de la course au large ont fait leurs armes sur la solitaire du Figaro et ces marins de légende y reviennent invariablement. Xavier Macaire, 7e participation et toujours la même exigence à l'entraînement par tous les temps, car ce n'est pas forcément dans les coups de tabac que se construisent les victoires. C'est dans des conditions de petit temps comme aujourd'hui qu'il y a des gros écarts qui se font entre les coureurs. Donc faut vraiment être très très bien préparé pour ces conditions qui sont d'ailleurs dures nerveusement au niveau de la concentration. Marin et tacticien, car aucun repos n'est permis, les adversaires s'épient les uns les autres. On peut voir donc là en vert les concurrents. On voit la position, on peut avoir des éléments sur la vitesse, la direction des concurrents et donc savoir si on est en train de gagner, perdre. Depuis 1970, le chrono est seul maître à bord. Le temps des quatre étapes s'additionne. Le plus rapide sur l'eau entre dans la légende. Il y a un coureur une année qui a dit « Mais c'est incroyable cette course, tu éternues, tu perds 4 places ». Et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il y a eu des histoires de gagnants à quelques secondes près à l'arrivée au finish. Il y a eu plein d'histoires incroyables. Et elle a révélé, et elle révèle encore, les meilleurs marins de la navigation en solitaire, ceux qui vont ensuite participer au Vendée Globe, qui vont gagner le Vendée Globe. Hein. Ils sont tous passés par là, François Gabart, Michel Desjoyeaux. Une lignée dans laquelle veut s'inscrire Xavier Macaire a pris 2 podiums sur la solitaire. Et l'on retrouve sur le ponton Guillaume Dequet. Bonjour Guillaume. C'est vrai que c'est une belle course hein, de cette solitaire parce qu'elle permet à chacun de partir à armes égales. Absolument, à armes égales, c'est ce qui fait tout le sel de cette course. Et je suis donc avec Xavier Macaire, prétendant très sérieux à la victoire. On peut dire que Bordeaux, ce bel écrin, vous réussit plutôt parce que lors des 2 dernières éditions qui sont parties d'ici, vous avez fini sur le podium. Oui, donc les précédentes éditions qui sont parties de Bordeaux m'ont plutôt réussi. En 2013, j'ai fini 2e et en 2015, j'ai fini 3e. Donc j'espère que cette 3e édition verra aussi un beau succès comme ça. Alors la particularité, c'est la navigation sur la Garonne, sachant que c'est un fleuve, qu'il y a les marées, les bancs de sable, ce qui a coûté très cher d'ailleurs à certains skippers. Ça vous inquiète cette navigation sur la Garonne, près de 50 km ? Ça m'inquiète pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est une navigation un peu technique dans un fleuve avec un plan d'eau qui est assez serré. On est 43 bateaux, donc il va falloir peut-être louvoyer au milieu de ce fleuve. C'est un exercice qui n'est pas facile. Ce qu'il faut surtout espérer, c'est qu'on puisse réussir à sortir du fleuve avant que le courant s'inverse et qu'on en soit peut-être dans l'incapacité face au courant de pouvoir sortir. Donc c'est assez technique. Puis après, une fois qu'on sera sorti, on se retrouvera en eau libre et là, on aura de la place pour naviguer et pour faire la régate, continuer la régate. Et se faire un nom, parce qu'on l'a dit, la solitaire du Figaro, c'est vraiment l'école de la course au large et le moment d'inscrire son nom au palmarès. Oui, tout à fait. La solitaire du Figaro, c'est la course qui voit passer tous les grands skippers qui ont été champions de France, qui sont allés sur le Vendée Globe, Michel Desjoyaux, François Gabart. Là, sur cette édition, on a encore des grands skippers comme Jérémy Bayou, Yann Eliès. Et c'est vrai qu'il faut marquer son empreinte sur cette course pour ensuite pouvoir passer à des courses plus importantes. Courses plus importantes, notamment le Vendée Globe que vous aimeriez bien préparer. Que je prépare, que j'envisage pour 2020, effectivement. Bah écoutez, merci beaucoup Xavier Macaire. Bon vent pour cette navigation sur la Garonne. Peut-être en inscrivant votre nom au palmarès de cette édition 2017. Merci beaucoup.